Dans la famille Poss, je demande le fils, la fille, le deuxième fils, la mère et enfin le père. Du plus petit au plus grand, ils font tous partie du Romba Olympic Club, le club de basket rombasien. Entraîneur pour les parents et joueur pour les enfants, le basket dans la famille Poss, c'est dans les gènes. Bah on aime bien, le club est très familial, donc on aime bien s'investir au maximum, quoi. Alors il y a ma fille ici, mon fils et le grand là-bas. Ah oui, il y a la fille. Il y a tout le monde, toute la famille. Voilà pour la petite histoire. Le ROC est donc un club familial qui accueille les enfants à partir de 3 ans jusqu'aux seniors. La semaine dernière, nous sommes retournés suivre des séances de baby basket et mini poussin, mini poussine. Première question à se poser, pourquoi les jeunes se sont inscrits au ROC? Choix des parents, choix personnel ou renommée du club, il y a un petit peu de tout ça. Parce que ben, j'ai demandé à ma maman si je pouvais faire du basket et elle m'a donné l'idée de faire du basket. Parce que la dernière fois, papa il m'avait dit que je peux faire quel match basket, j'ai dit. Et ben il m'a emmené au basket et c'était bien. Parce que c'est du sport, ça... C'est une activité que j'aime beaucoup. Parce que dès que j'ai vu ma tante jouer, ben je me suis dit que pour moi, le basket, c'était mon truc. Et pour moi, le basket, c'est un truc de fille. J'aime bien les balles de basket. Parce qu'avant, je devais faire un jeu d'étudiant, mais ça me plaisait plus trop. Donc j'ai commencé le basket. Qu'il a des activités et on va apprendre à mettre des paniers. Le ROC, c'est un très très bon club avec un bon encadrement, surtout un très très bon entraîneur ensuite pour les plus hauts niveaux. Donc ouais, c'est un club à conseiller, surtout voilà, pour une bonne approche du basket, c'est bien. Encadré par Evelyne et Julie pour le baby basket, Fabien et Michel pour les mini poussins, mini poussines, les enfants se retrouvent tous les mercredis après-midi pour 1h30 d'entraînement. Séance basée sur le jeu pour les petits et séance un petit peu plus technique pour les grands. Ici, la relève semble assurée, avec déjà un très bon niveau. On a des élèves, ça fait 3-4 ans déjà qu'ils font du basket, donc même ceux qui, ça fait déjà 6 mois, donc c'est intéressant. Par le jeu, on arrive à les faire progresser, donc ouais, c'est vrai que c'est un très très bon niveau déjà pour les emmener vers la compétition l'année prochaine, quoi, quand ils seront en poussin. Car ici, on ne parle pas encore de compétition. L'objectif est de leur donner envie de poursuivre l'aventure dans le basket. Tout se passe donc par le jeu, mais aussi par l'apprentissage de règles communes et d'exercices plus ou moins difficiles selon l'enfant. Des fois, c'est difficile quand on fait plein de choses. Par exemple, comme là, tout à l'heure, on a fait un truc, j'arrivais pas trop. Pour moi, c'était un petit peu difficile. Faut marquer les paniers, faut faire des exercices, des slaloms, des crosses, et puis... Rôle revers, passer la balle derrière dans le dos. En fait, on jette les balles sur le panier, après on va changer à notre atelier, et après on va y aller boire, après on va jouer à notre jeu, et après on va y aller ranger. Bon, c'est chouette alors? Oui. C'est chouette et ça se voit, même si parfois la passion du sport prend le dessus sur le jeu. Et oui, même tout petit, l'esprit de compétition est déjà bien présent. Moi, je l'ai poussé. En fait, c'est moi, je l'ai dit qu'il a passé au-dessus de la balle du panier. Et lui, il croit que c'est grâce à lui qu'il a réussi. C'était poteau. Mais c'est grâce à qui alors? Club phare du département, le ROC est donc un club qui mélange passion et loisirs. Un club ouvert à tous, un club qui fait aussi confiance à ses jeunes, avec notamment Laura, Thomas et Lola qui épaulent les entraîneurs. Lola, une senior qui s'investit aussi beaucoup dans le club, donc cette année elle veut s'impliquer avec les jeunes justement pour leur montrer ce qu'elle a appris elle-même ici au club toute petite.
Un bel exemple de progression qui, une fois de plus, montre le côté familial du club. Cela vous donne des idées pour vos enfants ? Eh bien, ça tombe bien, les inscriptions sont encore possibles. Ah oui, encore de la place. Les enfants, ils peuvent venir, ils sont les bienvenus, ils peuvent venir s'amuser. C'est surtout ça avant tout, apprendre en s'amusant. Plus d'infos sur le Romba Olympic Club, les mercredis après-midi au COSEC ou au 03 87 67 06 30.